Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Zinedine Zidane à Manchester United. Mais avant de parler de Zidane qui est selon moi un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, je compte sur toi. Et nous les mecs, on est prêts pour parler de Zinedine Zidane. À peine sorti d'une longue et belle aventure avec le Real Madrid, qu'il pourrait reprendre du service, Zinedine Zidane est tout proche de reprendre un club légendaire du football qui connaît une passe difficile à l'heure actuelle et tout pourrait se boucler rapidement. C'est un véritable coup de tonnerre qu'on a vécu ce dimanche lors de la défaite 5-0 de Manchester United par Liverpool à Old Trafford. Un match plié par les hommes de Jurgen Klopp dès le premier quart d'heure où Diego Jota a inscrit le but du break 2-0 avant que l'inévitable Mohamed Salah n'inscrive un triplé retentissant en moins de 10 minutes. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs d'un départ de l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer, de plus en plus sur la sellette depuis des semaines. Le Norvégien ne fait plus l'unanimité sur le banc de United et un départ est plus que jamais d'actualité. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Solskjaer pourrait céder sa place à une légende du football tricolore, Zinedine Zidane. D'après le journaliste italien Nicolo Schira, Zinedine Zidane est la cible numéro 1 du club mancunien en cas de limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. Si aucune discussion n'a pour l'instant eu lieu entre le Ballon d'Or 1998 et Manchester, le club peut compter sur son attaquant star Cristiano Ronaldo qui ferait office d'intermédiaire dans le dossier. Selon plusieurs tabloïds britanniques, le Portugais ferait le forcing en interne pour recruter Zidane. Longtemps sur les tablettes de l'équipe de France, Zizou pourrait bien dans un premier temps s'expérimenter en Première Ligue, un championnat qu'il ne connaît pas encore, très apprécié en Outre-Manche. Le Français retrouverait deux de ses piliers au Real Madrid, le quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo et le défenseur français Raphaël Varane. À l'heure actuelle, Man United pointe à la 7ème place à 6 points du podium. Une nouvelle défaite pourrait donc s'avérer fatale pour le technicien norvégien. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que Zinedine Zidane à Manchester United, c'est une bonne idée? J'attends ton avis en commentaire. Sur ce, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut.